Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très originale, jamais vue sur YouTube. C'est qui de nous deux? C'est Pauline, notre copine, qui pose des questions. Et Sylvain, c'est mon petit frère, pour aussi, il y en a qui te connaissent pas. Parce que tu viens jamais sur ma chaîne, imbécile. Allez, c'est parti. Qui est le plus susceptible d'attraper accidentellement le sein de quelqu'un? Moi. Mais... mais quoi, genre... Alors, attends, on fait la scène, attends, genre... Ouh, pardon, j'ai pas fait exprès. Mais c'est un accident que vous m'ayez attrapé le sein. Oui. Enchanté. Mais c'est un film du destin. Sûrement. Ah ouais. Ah merde. Je vais pas. Ok. Qui est le plus susceptible d'oublier ce qu'il a dit à quelqu'un? On est jamais d'accord. Ça c'est. Aujourd'hui on est un peu en contre-attaque. Attends, c'est quoi la question? D'oublier ce qu'il a dit à quelqu'un. Mais j'oublie tout. Ah, ouais. Moi aussi j'oublie tout, j'ai une mémoire. Que... En fait c'est pas drôle, vous êtes très sœur. Bah super. Il vient de démonter la vidéo. Mais attends, on peut se justifier. Moi je suis susceptible d'oublier parce que j'ai une mémoire nulle. Et toi t'es susceptible d'oublier parce que il parle tout le temps, donc je peux pas te retenir tout ce qu'il dit, c'est impossible. Voilà, force. Qui est le plus susceptible d'avoir le niveau de QI le plus bas? Oh non, les gens vont savoir que je suis bête. C'est bon, voilà. Sûr. Bah, elle n'est pas bête, elle c'est juste pas la plus maligne. Je suis pas bête, mais il est juste très intelligent. On peut le voir comme ça. Bah c'est vrai, tu es super intelligent. Qui est le plus susceptible de porter des sandales en hiver? Des sandales, jamais de ma vie je mets des sandales même. Sylvain, je rappelle que tu t'es ramené en slash à l'école. Ouais. Oui. Et c'était pas en été. Qui est le plus susceptible d'assister à un concert d'un groupe qu'il n'aime pas pour impressionner quelqu'un? Toi? Moi, c'est comme ça que j'ai connu Pauline. Donc... Quel groupe? Mais non, c'est pas Marilyn Manson, je l'aime pas trop. Qui est le plus susceptible d'apporter des changements? Dans la vie, dans le monde? Il n'y a pas de... Ok, 1, 2, 3. Ouais, moi je vais changer le monde. Wouh. Qui est le plus susceptible d'embrasser un serveur? Qui est le plus susceptible de connaître tous les mots d'une chanson de Beyoncé? Qui est le plus susceptible d'aimer secrètement Justin Bieber? Moi bon, j'aime bien encore. Ah, mais c'est pas secret. Non. Du coup, moi pas. Bah un peu secret, genre je le crierai pas sur tous les toits. Bah moi je suis chaud qu'on le crie. Qui est le plus susceptible d'aimer le surf? Globalement tout ce qui demande d'utiliser son corps c'est plutôt Morgane. Et tout ce qui demande d'utiliser sa tête, son cerveau, moi. Et pour ce qui est entre les deux... Donc ensemble on fait la paix vraiment quoi. On fait la paix. Qui est le plus susceptible de fuir la maison? De fuir la maison. Étant donné que c'est le thème de la chaîne environ. Ah oui c'est vrai. Je crois que c'est moi-même. Et même déjà quand j'étais toute petite, je voulais trop faire une fugue, mais j'avais, je sais pas moi. Mais j'avais pas de raison de le faire du coup. J'avais genre 10 ans, ouais, je me rappelle, je prenais ma petite valise d'idole là et je mettais des trucs, j'étais en mode je prends ça, je vais aller là et tout, et puis je partais jamais, tu vois. Mais j'avais envie déjà de partir à l'aventure. Qui est le plus susceptible de tomber d'un arbre? Je crois que c'est moi. Hey, pourquoi c'est moi? Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Tomber comme une cerise trop mûre. Qui est le plus susceptible de se voir infliger une malédiction? Bah oui, moi, mais je sais pas pourquoi. Parce que toi, t'es un peu bizarre. Qui est le plus susceptible de blâmer l'alcool pour son comportement? Sylvain ne boit pas d'alcool, donc... Voilà. Sylvain est chiant. Qui est le plus susceptible de dépenser le plus d'argent lors d'une soirée? De dépenser le plus d'argent tout court. Ouais, c'est moi qui dépense. De manière générale. Et je comprends pas dans quoi en fait. Qui est le plus susceptible de survivre à une apocalypse zombie? That's me, c'est à l'envers. Elle n'est juste pas très renseignée en soi. Non. Et pas très virtuose de la violence. C'est beau ce que je dis, hein? Moi je suis un virtuose de la haine, regardez. Sans qu'elle le voie venir, ah, ça m'a claqué. Immobilisé et je l'ai claqué au sol. La suite. Qui est le plus susceptible d'être un top modèle? Alors encore une fois, ici, Morgane, je te disais l'autre fois, elle représente tout ce qui est physique, mais autant d'un point de vue manuel que d'un point de vue esthétique.
C'est-à-dire qu'elle est zoomée dans l'image, vous voyez ici une beauté plutôt prenante, on va dire, et ici... Qui est susceptible d'acheter le même cadeau plus d'une fois? Donc tu regardes mon truc à me montrer, t'as pas compris le principe du jeu, toi, en fait. Mais c'est pas, il est un peu nul en cadeau, des fois. Mais je les emballe super bien, par Et du coup, moi, je fais des super bons cadeaux. À chaque fois, j'adore, oh, j'ai plein de temps à rechercher. Ouais, ouais, c'est tout. Ça. Si, tu vas faire quoi mon dernier anniversaire? Un t-shirt que t'as kiffé de ouf et une casquette que t'as kiffé de ouf. Qui est une casquette trop grande et un t-shirt. Moi, regardez, les copains. Ouais, c'est vrai que ça, c'est super stylé. Elle ose critiquer mes cadeaux alors qu'elle a reçu ça. Et c'était le meilleur cadeau que j'ai reçu. Et voilà. Qui est le plus susceptible de mourir en premier? Oh! Moi. Bah, pourquoi? Parce que je me sens déjà fragile. Ouais. Et que je suis la plus vieille. Ah, mais je suis une femme, donc les femmes vivent plus longtemps. Ouais, et puis surtout... J'espère que je mourrai avant toi, parce que je veux pas... C'est plus dans le prendre soin de soi, de toi, que moi, que c'est moi que je le fais. Oui, mais t'es en meilleure forme que moi. T'as compris ce que j'ai dit? Oui. Wow. Bah, je prends plus soin de moi et tout que toi. Oui. Mais t'es quand même plus en forme que moi. C'est ça l'injustice. Qui est le plus susceptible de se lancer dans de graves disputes politiques en état d'ébriété? Oh putain. Même... Enfin, oui. Déjà, j'ai envie de d'ébriété. Je te parle plus. Qui est le plus susceptible de lancer une carrière de rap à 40 ans? Yeah! Démonstration! Yo, yo, yo! Quand j'arrive dans le quartier, les gens s'écartent. Le monde entier ne joue que ses cartes. Alors que moi, j'ai le carré d'as. Je vous laisse tomber, je suis Lil Nas X. Qui est le plus susceptible de pleurer devant un film? Tu regardes! Tu dois faire vite. Bah, je pleure pas moi. Moi, je dis. Tu m'as déjà vu pleurer devant un film? Tu m'as déjà dit que t'avais pleuré et tout. Mais moi, je dis nous deux parce que toi, c'était super sensible et tu peux pleurer. Mais je pleure pas devant les films. Tu pleures... Ah, bah alors moi. Oui, moi, oui, quand même. Qui est le plus susceptible d'exagérer grossièrement la vérité? Oh, t'as vu toi? Bah oui. Parce que moi, il me suffit d'une goutte d'eau pour en faire un vase. Pour faire des bordels. Qui est le plus susceptible de passer par une phase émo? Oh! Mais enfin... Ouais, bon, la phase émo, des photos. Qui est le plus susceptible de quitter la maison en sous-vêtements? Bah... Non, c'est moi. Bah oui. C'est tout à fait moi. Mais en fait, Sylvain se prend pas au sérieux et du coup, il peut très bien aller faire ses courses en slip pour rire, pour un gag, quoi. Pour un gag. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ma foi, plus que passionnante. Ça fait Néanmoins, non, c'est pas ça. Tout à coup, non, c'est pas ça. Brillamment, avec brio, nous vous souhaitons une excellente journée et... Nous vous divons. Et un divan. Et hasta la prochaine vidéo, quoi. Okay. Adios. Bien.